Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing. Le numéro 15, puisqu'on a skip le numéro 13 pour ne pas porter malheur. Donc, on est là pour l'unboxing de... Oui, vous l'aurez reconnu. Legends of Collectors, la version DC de Collectors Corp de Marvel. Donc, le thème est DC TV. Donc, on peut reconnaître déjà... The Arrow, le show télé avec Steven Amell. Je m'attends beaucoup de cette boîte-là puisque ça vient des shows télé. Donc j'aime beaucoup The Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Gotham, même si Gotham ne rentre pas dans cet univers-là. Mais je les aime beaucoup, donc je m'attends vraiment à ce que se retrouve dans cette boîte-là soit vraiment... en rapport avec les shows télé, donc je devrais les aimer, évidemment. Donc, commençons tout de suite. Voilà. Donc, bien sûr, on va voir le patch et le pin en l'ouvrant. Voilà. Oh, le pin s'est tombé. Donc le pin, c'est Diatom. On le reconnaît, il porte son masque, c'est bien, bien mieux que celui de Superman. Et le patch, c'est Supergirl. Donc l'émission Supergirl, celui-là, je le regarde pas. Mais je sais que le Flash a fait un crossover. Il y a Martian Manhunter dans le show. Donc très très bon. Voilà. Et maintenant, on ouvre. Et le t-shirt. Oh, un t-shirt de The Arrow. Star City, Only Weapon of the River Queen. Ouais, ouais, très bon, très très bon. Je suis content de ce shirt-là. Je sais que Funko Pop nous ont... Funko, en fait, nous a habitués aux T-Pops. Donc, des T-shirts avec les têtes de Funko Pops. Mais recevoir des T-shirts comme ça, ça fait juste... un T-shirt The Arrow, donc pas nécessairement Pop. Donc, ça... ça donne plus de marge de jeu. Ensuite, nous avons un comic de The Flash avec Barry Allen. Donc, du show télé. Très, très bon. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. Ensuite, oh! Un Rock Candy exclusif à Legion of Collectors. C'est Supergirl, donc pas le classique Supergirl, le Supergirl du show télé. C'est mon premier, en fait, Rock Candy. Je sais que je voulais Wonder Woman pour ma fille. Donc, ouais. Oh, j'adore les détails, ils sont vraiment très, très beaux. Oui, donc je vais mettre une image en gros pour que vous puissiez le voir. Mais oui, très belle figurine. Ensuite, oh, le pop de Jay Garrick de The Flash. Oui, très très beau. Très très beau. Oui. Pour ceux qui ne voient pas le show, je ne dirais pas plus que c'est le Flash de Earth 2 dans la deuxième saison de The Flash. Donc, pour ceux qui voient le show... Excellent, voilà. La boîte est vide. Donc, oui, une boîte assez décente. Funko Pop. Rock Candy. J'imagine qu'ils étaient plus gros que ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Le patch, le pins.
le t-shirt et le comic. Donc, oui, très très bon. Je suis satisfait de cette boîte-là. Oui, c'est sûr que j'aurais peut-être pas aller vers le Rock Candy, mais recevoir comme ça dans une boîte, c'est bonus, j'adore ça, ou un Dorbs, ou un Mopies. Donc, non, vraiment très satisfait de cette boîte-là. C'est décente, c'est pas. C'était pas Deadpool qui nous avait donné plusieurs séries de leurs produits. Donc, on se souviendra Pop, Dorbs et Mopies. Donc, ici, il manquerait le petit Mopies. Ou, voilà. Mais bon, en général, c'est très très bon. C'est vraiment le show télé. C'est sûr que recevoir de DC's Legends of Tomorrow, juste le pins, c'est un peu faible. J'aurais aimé recevoir une figurine au moins. Mais bon, c'est. Ils se sont concentrés surtout sur le Flash, Supergirl, le shirt The Arrow, c'est très très beau aussi. Donc, personnellement, moi, c'est le Funko Pop, j'adore Jay Garrick, c'est un personnage. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne sont pas rendus là, mais c'est un personnage vraiment plein de surprises. J'adore le pop, mais vous, dites-moi, vous, quel est l'item que vous avez le plus préféré dans la boîte? Donc, ça m'intéresse. Postez-le dans les commentaires. Bon, pour le giveaway, je vous rappelle le thème, c'est Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Les entrées sont fermées, donc il y a seulement 6 participants. Oui, 6. Et maintenant, c'est la chance d'accumuler plus d'entrées. Vous aurez donc 7 jours pour accumuler des entrées. Alors, on commence par commenter la vidéo, le liker et le partager. Chaque partage vous donnera une entrée de plus dans le giveaway, donc la chance d'accumuler des entrées. Et en fait, pour pouvoir accumuler plus d'entrées, je vais vous demander de partager votre collection d'items de Nightmare Before Christmas sur le groupe Les Giveaways de Romero. Partagez un item par jour et je vous donnerai 3 entrées par item, donc partagez. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez le DVD de Nightmare Before Christmas, prenez-le en photo avec un petit papier qui vous dise que c'est bien le vôtre et partagez-le sur le groupe. Moi, je vous donne 3 entrées. En plus du DVD, vous avez le Blu-ray. Prenez-le en photo avec un petit papier vous identifiant sur la photo et je vous donne un autre 3 entrées sur le giveaway. Donc, en 2 jours, vous aurez déjà 6 entrées plus les 3 accumulées pour vous inscrire. Donc, vous en aurez 9. Si en plus vous avez des figurines, vous avez des peluches, des t-shirts, n'importe quoi de Nightmare Before Christmas, prenez-le en photo, identifiez-le bien que ce soit bien le vôtre et je vous donne 3 entrées additionnelles. Si vous avez plus que 7 items, à la 7e journée, prenez une photo d'ensemble. Le photo d'ensemble, en fait, on fera ça 5 de plus. Donc voilà, c'est votre chance d'accumuler des plus de participation, mais ça ne finira pas là. Soyez aux aguets sur les giveaways de Romero. Et je vous donnerai d'autres défis pour accumuler encore plus d'entrées pour le giveaway. Je vous rappelle que si cette vidéo aussi atteint les 100 vues dans la semaine qui suit, j'inclus l'item exclusif au disquaire HMV d'une valeur de 30$ pour que la boîte atteigne les 100$. Donc, j'attends votre commentaire, vos likes, votre partage et vos photos sur le groupe Les Giveaways de Romero sur Facebook. Je vous remercie encore d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!